les amis, hello YouTube, comment vous allez? De mon côté, ça va mieux par la grâce de Dieu. Bonne année à nous tous. Nous sommes encore arrivés à une nouvelle année. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une très belle surprise. C'est un cadeau que j'ai reçu de mon mari. Je sais que le Noël est déjà passé, mais nous sommes au nouvel an et mon chéri m'a acheté un cadeau. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ensemble avec vous. Donc tout à l'heure là, ensemble, je vais vous présenter ce cadeau. Avant cela, je me présente. Mon nom c'est Kiki, je suis la maman de 4, je vis en Angleterre. Je fais des vidéos sur cuisine, nettoyage, motivation, la décoration et tout, et la vie d'une maman à la maison. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, tu es là présent devant toi, je t'invite à t'abonner. Et aussi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Donc voilà, cette machine, c'est un appareil Ninja, donc je vais la tourner. Donc voilà, je l'ai tourné. C'est un appareil Ninja. Donc cet appareil, ça, c'est le pressure cook. Ça combine aussi les steams. Et puis aussi, ça fait aussi le donc steam crispy. Et puis c'est aussi le hair fryer. Donc fryer, c'est un, je sais pas en français, je vais mettre les noms quelque part là-bas. J'ai cette machine, ça fait déjà cet appareil électrique. Ça fait 10 ans. Donc, au plus 10 ans que j'ai ça. Je me souviens, ma fille est née. Ma fille, elle avait 4 ans, je pense. Maintenant, elle a 13 ans. Donc, j'ai ça 9 ans, 10 ans. Et mes enfants se sont habitués à faire les chips, les frites, au moyen des hair fryer. Donc, moi, je n'utilise pas l'huile. Ça fait au moins 10 ans maintenant, je n'utilise pas l'huile. Et mes enfants se sont vraiment habitués. Les seuls moyens, les seuls où... la seule occasion que mes enfants utilisent l'huile, c'est pendant quand ils sont dans les restos, McDo, ils utilisent l'huile. Mais à part cela, les enfants utilisent toujours les hair fryers. Parce que pourquoi? C'est bien healthy, c'est bon pour la santé. Je n'utilise pas beaucoup d'huile. Quand vous préparez, quand vous habituez aussi les enfants à les faire, c'est vraiment mieux. Et puis à manger cela, le repas très very healthy, que je peux dire. Et puis, c'est bien pour la bonne santé, la bonne santé. Donc voilà, ça fait 10 ans que j'ai. Et d'ici là, je vais... Elle s'est pas abîmée. La machine n'est pas abîmée. Mais du coup, quand nous allumons, ça fait des bruits qui sont un peu bizarres. Et je me suis dit, peut-être, c'est le délai. 10 ans, c'est beaucoup. C'est le délai. Et voilà, je me suis dit, allez acheter une autre machine. Donc voilà, ensemble avec mon mari, nous sommes allés au sel. Donc c'est sel. Et puis, nous avons acheté ça. Je vais mettre les liens si vous voulez en bas, évidemment. Et aussi, j'ai aimé ça parce que ça a beaucoup d'options. Comme je vais prendre, je vais take away cette hair fryer et aussi la marmite du riz, je vais aussi enlever. Donc, ça, c'est comme trois dans un, deux dans un. Donc, ça va faire un rôle, beaucoup de rôles dans un. Donc, voilà pourquoi j'ai mis ça. Et je vais aller ensemble avec vous. Préparer un par un repas par repas, comment ça va, le résultat, et le partager ensemble avec vous. Nous allons découvrir et nous allons, donc j'allais dire, nous allons découvrir, donc nous allons découvrir ensemble les repas que nous allons préparer. Donc voilà, ça c'est un bon machine que je vous dis, c'est très grand, et puis ça a la capacité d'un litre point 6. Donc voilà. Je vais vous montrer ensemble et nous allons ouvrir, aller ensemble avec vous et savoir comment. Moi, vraiment, j'aime ça pour les hair fryer. Et du riz aussi. Les riz, comme c'est le pressure cook. Donc, on prépare les riz à partir des steam, le pressure cook. Donc, j'espère que ça va aussi donner un bon riz. Mais moi-même, je n'ai jamais utilisé ça. Je n'aurais pas savoir comment on les fait ensemble avec vous. On aura. Donc voilà mes amis, je vous aime beaucoup. À tout à l'heure, nous nous retrouvons. Comment nous allons faire ça? Vous savez, bien sûr qu'il en a. Je me suis fait des cheveux moi-même. Et je sais que vous avez aimé. Hein? Donc voilà, les mamans, il faut toucher à tout. Donc, au bon moment, tu fais les cheveux comme tu fais tes enfants. Tu peux aussi te faire belle toi-même et garder l'argent pour faire d'autres choses. Donc voilà mes amis, maintenant je suis prête à commencer à faire. Comme je vous ai dit avant, c'est 3 dans 1. Actually, c'est pas 3 dans 1, c'est 11 dans 1. So, 11 in 1. Ça peut préparer 11 différents repas dans 1. C'est une bonne chose mes amis, je vous le dis. Donc, ça, on va commencer ensemble avec vous.
je vais préparer un peu de chips et après je vais faire aussi un peu de riz et mollo mollo ainsi que va laver. Nous allons aller ainsi lentement pour le prochain repas. Donc voilà, on se retrouve à tout à l'heure. Je vais ouvrir ça et puis je vais vous montrer les détails, comment ça se présente. Je n'ai jamais utilisé ça, mais ensemble avec vous, nous allons découvrir. Tout à l'heure. Tu es venu dans l'enveloppe. Comment ils sont très professionnels. Wow. Manuel d'instruction. Et puis, ça sont les différents repas que cet appareil peut faire. Les différents repas, il y en a beaucoup. Trois dans un smart plate. Donc, multi-cookers. Il y a beaucoup de repas que vous pouvez faire. Et ils nous ont donné ça. Donc, ça, c'est un... Je pense que c'est le livre. Oui, cooking book. C'est le livre de repas. Oui, en anglais c'est cooking book. Le livre de repas qui a beaucoup différents catégories de repas qu'on peut faire. Et puis ça, c'est ça nous montre comment utiliser surtout les lids dans les couvercles. Parce qu'il y a d'autres marmites, ça a beaucoup de couvercles. Ça peut avoir deux ou trois, mais ça, ça vient tout dans un couvercle. Donc voilà. Et puis ça, c'est le manuel d'instruction. Donc, je vais lire ça après avoir détaché tout. Et je vais lire ça et je vous reviens. On va voir comment aller. Donc, dans un premier temps, détachons d'abord la marmite et puis on y va. Voilà, ma fille est venue pour m'aider à détacher la friteuse, et comme c'est mentionné, à partir de 8 ans, donc voilà, du coup, elle vient de totaliser 8 ans, donc nous allons travailler avec elle. Mon premier friteuse aussi, le Philippe, était aussi mentionné, commencer à utiliser à partir de 8 ans. Donc, si vous avez les enfants âgés de 8 ans jusqu'en haut, ils peuvent les utiliser. Wow, wow, wow. C'est très, très lourd, je vous dis. C'est très lourd, donc voilà. Thank you. Merci beaucoup. Voilà. C'est trop grand. Là, je vais enlever tous les accessoires du friteuse, ce qui est dedans, comme vous voyez. Il y a le noir ici, c'est le tray qui permet de griller quoi que ce soit. Et puis, il y a la casserole à cuisson que vous pouvez tout préparer, celui-là qui contient de l'eau. Et aussi, il y a un petit tray là pour griller. Donc, voilà. Et puis ça, ça nous aidera quand je vais lire. Je saurai comment, je pense, yeah. Ça nous aidera de mettre ici, si vous grillez quelque chose, donc voilà. Et vous voyez les couvercles, c'est trop lourd. Donc ces couvercles ici, c'est quand vous voulez griller, donc, il y a l'option de griller, il y a l'option de faire la sauce, il y a l'option de faire les cakes, il y a l'option de faire les soupes, il y a l'option de faire les chips sans... oui, donc il y a beaucoup d'options. Comme je vous ai dit, c'est 11 dans 1. Donc voilà, mes amis, je vais lire maintenant la manuel d'instruction et je vais vous retrouver tout à l'heure, tout de suite après, comment j'ai réalisé mes chips et mon riz. Donc je vais juste préparer un peu et puis savoir comment c'est très, très, très joli, bon appareil qui nous aidera tous dans la famille. Et surtout, si vous n'avez pas beaucoup de cuisine, l'espace dans la cuisine comme la mienne, je n'ai pas vraiment assez trop d'espace dans ma cuisine, c'est aussi mieux pour l'espace de la cuisine. Donc voilà,
je vous reviens tout de suite après avoir lu le manuel d'inscription. C'est si vous l'êtes. Are you gonna say? Bye. Are you happy? Yeah. With the new cookers that we're gonna do chips and rice and everything, steaming vegetables, all kind of stuff. Are you happy for that? Yeah, but... Et voilà mes amis, j'ai fini de lire mon manuel d'instruction. Je ne souhaite pas vous montrer comment faire ça parce que la vidéo est déjà très longue. Mais je vous conseillerais, dès que vous avez cette sorte d'appareil, je vous conseillerais de lire premièrement le manuel d'instruction et après, vous aurez à l'utiliser. Donc, c'est très facile, c'est très pratique. Donc, c'est pas compliqué. Et toutes les parties qui sont dedans, je les ai lavées. Moi, à chaque fois quand j'achète les appareils, et je sais évidemment c'est tout le monde qui les fait, lave d'abord toutes les parties, lave-les. Et puis, tu nettoies l'appareil. Je l'ai juste nettoyé avec mes tissus. Parce que ça vient de, dans les cartons, il y a beaucoup d'histoires qui sont tout autour de cela. Donc, nettoyez votre appareil. Et puis, j'ai tout nettoyé. Toutes les peaux, tout ce qui vient dedans qu'on va préparer, tout est bien nettoyé. J'ai aimé que tout le monde a la capacité d'utiliser ces machines. Donc, ce n'est pas dangereux. Donc, voilà, on y va. Je vais aller avec vous. Comment je vais utiliser ça, comment je vais faire mon chips. Je vais commencer avec les chips et après, on va faire les durées. Donc, on y va. On allume la machine, on va soulever. J'ai mis ici, c'est juste pour vous montrer, mais souvent, il faut mettre ça pas en dessous du placard. Je mets celui-ci. Et je mets celui-là. Tout est déjà bien lavé. Et je vais prendre les chips. Voilà, les chips ici, ça dépend de la qualité que vous voulez. Hein. Et moi, je vais mettre seulement une petite quantité. J'ai juste la démonstration. Et après, on va démarrer. Et puis, turn on. Voilà. Et puis, je pense que si vous, quand vous bougez ça, combat steam, et puis les hair fryer, c'est ici, donc voilà. Et puis, ça, ce sont les degrés. Vous voulez à 200 degrés, ça, comme ça, 195, si vous voulez à 180, donc ça va jusqu'à 200. Attends, on va voir, ça va jusqu'à combien? Jusqu'à 210 degrés, donc voilà. On va mettre à 200 degrés. Et c'est 20 minutes. Donc, vous pouvez aller 19 minutes, 18 minutes, 15 minutes. Il est mieux aller jusqu'à 15 minutes. Ou bien aller en haut, 17 et tout et tout. Donc, voilà. Je vais aller jusqu'à 15 minutes. Et puis, je vais presser start. Voilà. Voilà. Bientôt, ça va finir. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est la fin. Waouh. Voilà. Waouh. Et vous voyez ça? Ça tourne. Oh là là. Je tiens la caméra à ma main. Donc, ça c'est le chips. Ok? Vous voyez? Très joli. Comme d'habitude, comme mes enfants s'habituent toujours. Donc voilà. Ça, c'est les résultats des chips. Et maintenant, nous allons aller avec le résultat des durées. Tout à l'heure. Waouh. Très joli. En tout cas, je vous conseille, mes amis. On m'a pas payé. C'est juste partager avec vous comment cet appareil fonctionne. Et ça va nous permettre de gagner du temps et puis de manger healthy et aussi de ne pas avoir beaucoup d'appareils dans la maison. Donc, c'est-à-dire utiliser ça 11 dans un qui a 3 différentes options de coke. Ok, on se retrouve à toutes. Voilà les chips, je vous dis, c'est très joli. Je suis en train de manger avec les enfants. C'est très joli.
On va aller au riz. Voilà, passons maintenant très vite au riz. Donc, nous allons préparer des riz comme tu as toujours l'habitude de le faire. Ajouter un peu d'eau, ajouter du sel. Et avec cette machine, je vais aller sur l'option pressure. Il y a le pressure low et high. Moi, je vais aller sur le pressure low et je vais choisir 12 minutes. Donc là, je suis en train de vous démontrer que cet appareil peut être placé à l'espace vide, ne pas le mettre sous le placard. Donc voilà, c'est ça. Et voilà, mes amis, j'allais mentionner que pendant que le pressure cook est en train de couler, ça, les valves ici, il y a la steam qui sort de ces valves. Et puis, il faut attendre jusqu'à ce que ça finisse avant que j'ouvre la machine, évidemment. Donc, voilà. Je vais attendre dès que ça finit. Voilà, mes amis. C'est écrit « no pressure ». C'est-à-dire, il y a la pression qui a fini. Et il y a le steam qui s'est arrêté. Il n'y a plus steam. Donc, voilà. Nous allons ouvrir l'appareil. Waouh! Oh là là! J'ai douté à cause du riz. Je me disais, il n'y a pas où c'est mentionné du riz, mais il y a tout sauf que du riz. J'ai douté, mes amis, je vous dis. Waouh! Oh là là! En tout cas, je vais mettre dans l'assiette et je vais conclure. Voilà, mes amis, ma main touche la caméra, donc ça, c'est le résultat. Je viens juste de prendre ça ici et voilà le résultat. J'ai mis un peu de feuilles de basil. C'est juste pour les flavors. Je vous dis, vous voyez les riz? Ça, c'est à recommander 100%. Merci beaucoup à vous tous qui m'ont suivi. Je suis très contente, vraiment. J'espère vous retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait, aimer la vidéo et aussi la partager. Moi, je vous laisse ici. Nous allons nous retrouver à très, très bientôt. Bye, bye. Bye. God bless you. Bye. Sometimes I want to say something.